les rupteurs et compagnie, j'en ai ras le bol en fait. System of a Down ? Ah, mais c'est bon ça ! Faut s'attacher ! Non, 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 attachez-le ! Je suis peut-être un petit peu rabat-joie ce soir, mais il y a des trucs qui me plaisent pas. Mon dieu, qu'est-ce que je fais ? Vous êtes sûr, hein ? Ma maman m'a toujours dit de ne pas suivre les inconnus, et ben c'est raté. Vous avez besoin d'une petite piqûre, monsieur le policier ? Avant que vous voyiez cette vidéo, je voulais revenir sur un point qui est important pour moi concernant cette balade. Mais je vais me poser quelque part parce que ben je suis toujours pas spécialement à l'aise pour parler et rouler en même temps. En fait, ce que je voulais préciser, c'est que vous le saurez assez vite. De toute façon, vous vous en rendrez compte assez vite, c'est que j'ai été déçue de cette balade. Pourquoi ? Tout simplement parce que je l'ai trouvée pas très bien organisée. Et je suis plutôt soft dans les termes que j'emploie. Parce que j'ai pas été très soft dans la vidéo, vu que c'était plutôt à chaud. Là, à froid, on va dire que je modère mes propos. J'ai appris un petit peu plus tard dans la soirée que la municipalité n'avait pas accepté cette balade. Donc peut-être que c'est pour ça que c'était un petit peu en décousu et un petit peu le bordel, pour être un peu vulgaire. Mais quand bien même, je pense justement qu'il est bon de rappeler les règles, de rassembler les gens, les motards qui se sont regroupés au point de rendez-vous pour faire un petit topo avant balade en disant « Faites pas trop les oies, faites pas trop les cons ». Après, les rupteurs, il y en a forcément dans des balades, mais plus ça va et plus ça me saoule. Un petit coup de gaz de temps en temps pour faire rire, ok. Un petit rupteur de temps en temps, ok. Je pense pas que ce soit bien... Salut. Je pense pas que ce soit bien compliqué de réunir des personnes et de leur dire « Oh les gars, faites gaffe à votre comportement, on est là pour faire sourire les gens. Certes, la balade n'a pas été acceptée, mais on va agir comme des personnes responsables. » Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de comportements irresponsables. Vous ne voyez pas tout dans cette balade et vous me direz d'ailleurs pourquoi avoir posté cette vidéo. Ce qui me plaît avant tout dans ce genre de balade, que ce soit Noël, Halloween, donc pour moi c'était une première, c'est l'interaction avec les gens. C'est le fait de, parfois, à un feu rouge, avoir une voiture à côté de soi, donner des bonbons, voir le sourire des gens. Moi c'est ça que j'aime. Le côté « m'as-tu vu ? Je me fais remarquer ?» On l'a tous forcément un peu, évidemment, parce qu'on est déguisé pour l'occasion et on veut être vu. Je suis pas en train de cracher dans la soupe. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui sont venus juste pour faire les kékés, pour se faire entendre, pour faire des rupteurs, pour faire du bruit. Il y aura toujours du bruit dans ce genre de manif. Mais je trouve que certains comportements sont vraiment nuisibles à notre image. Et c'est ça que je déplore. Je suis peut-être pas dans ce délire-là de burn, rupteur, etc. Parce que c'est ma mentalité qui veut ça, c'est ma personnalité. Je pense qu'il est beaucoup question de ça, de personnalité, de mentalité, de maturité aussi quelque part, de caractère et de génération. Peut-être aussi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça, entre vous, avec moi. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Je vous laisse avec cette vidéo qui, je crois, commence fort parce que je crois qu'on entre dans le bain tout de suite. On passe à la suite. Hein ? Parce que... Bienvenue à Beauflande. J'exagère. Dans ce genre de rassemblement, il y a toujours ce genre de comportement auquel je n'adhère pas. Ça m'intéresse pas. Je pensais que c'était un vrai truc organisé, mais pas du tout en fait. C'est vraiment à l'arrache. Mon déguisement d'infirmière zombie n'est pas pratique. J'ai bien sûr un short en dessous, mais avec les collants, ça n'arrête pas de remonter. Alors oui, je suis en tennis. Oui, je suis en collant. Oui, j'ai une tenue d'infirmière zombie, une blouse ensanglantée. J'ai quand même mis mon cuir. Je sais, ce n'est pas très très safe, mais je voulais essayer. C'est bizarre de rouler sans jean, au moins le minimum, c'est le jean en bas. Et j'ai bien vu certains regards d'ailleurs un petit peu interloqués, voire peut-être même choqués, mais bon, je m'en bats les couilles, pardon. Je trouve pas ça ouf au niveau de l'organisation. Je pensais vraiment qu'il y avait des motards ouvreurs, on va dire, et j'allais dire fermeurs, je perds mes mots. Mais en fait, bah non, apparemment. J'ai l'impression que c'est plus un « m'as-tu vu, regardez-moi, je fais du bruit et hop, je m'en vais » plutôt que « coucou, salut les gens, on est là pour vous faire sourire ». C'est vraiment mon impression là pour l'instant. Je me trompe peut-être, hein. C'est pas mon but de dénigrer la balade, hein, pas du tout, mais je trouve
trouve ça un petit peu brouillon là. Pour l'instant, je sais pas trop quoi penser. Ouais, ok. Ah, je suis déçue, hein, je suis très déçue. Je suis jamais venue, je suis un peu déçue. Il n'y a pas d'organisation, c'est à l'arrache. Tiens, hop. Tiens, un deuxième, hop. Hé, attache-toi. Faut s'attacher. Non, 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 attachez-le. C'est super important. Attache-toi, mon grand. Ah, mais l'image du motard, je pense que là, mais... Honnêtement, oui, les gens aiment ça, ça fait rire, c'est sympa, mais pour beaucoup, elle en prend un coup, je pense, parce qu'on roule vraiment à l'arrache, là. Enfin, moi, j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux, mais c'est vraiment pas top. C'est quoi qui se cache là-dessous? Super! Sur mon Insta, elle y est, sera peut-être plus visible que là. Ah, ok. Et c'est quoi ton Insta? Je me sens pas super... à l'aise avec toute cette circulation et cette désorganisation totale. Oh là là, je suis sur la voie de bus en sens inverse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'aime bien ces moments-là quand les gens ils te regardent, ils te font coucou, ils ont un grand sourire jusqu'aux oreilles, c'est ça que j'aime en fait. Les rupteurs et compagnie, j'en ai ras-le-bol en fait, ça me saoule. Je savais qu'il y en aurait, hein, mais je ne peux pas dire que j'aime ou pas un truc sans y avoir été. Donc, voilà. Je peux me faire un avis maintenant. Oh, il y a un clébard. Oh, mais le pauvre. Si, c'est un chien. C'est pas une peluche. Non, c'est un chien. Oh là là. Oh, le pauvre. Les chiens ont pas du tout la même ouïe que nous. Alors, j'imagine qu'il doit plus avoir d'oreilles, là. Ah, c'est Halloween. Hein. Je pense que tout est permis, j'ai l'impression, en fait. C'est ça qu'il faut que je me dise. Je suis peut-être un petit peu rabat-joie ce soir. Un petit peu... casse l'ambiance, mais il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Hein. Et voilà, tout ce qu'il faut pas faire. On dirait vraiment des loubards qui se baladent entre les voitures. C'est à ça que ça me fait penser. J'aime le concept, mais l'organisation, je trouve ça très très moyen. Un bonbon, ma soeur ! Vous êtes sûr, hein ? Dedans ? Ça fait environ une semaine, deux semaines que je me regarde des films d'horreur. Et trois jours que je me regarde les Halloween. En commençant par le Halloween 2 de Rob Zombie, que je trouve vraiment pas mal du tout. Et ensuite Halloween Kills et Halloween Ends avec Jamie Lee Curtis, superbe femme. Alors je n'ai pas encore vu un seul Michael Myers. On va se mettre dans l'ambiance avec la musique. Je n'ai pas vu un seul masque de Scream non plus. Bonjour. Vous avez besoin d'une petite piqûre, monsieur le policier? Je n'ai pas pris ma seringue. Merci. J'y vais tranquillement, prudemment. J'ai l'impression d'être la seule. Je suis un ovni dans cette balade. J'essaie de faire les choses comme il faut. J'ai pas envie de tuer quelqu'un, en fait. Voilà. Ou de me faire tuer. Merci. Un, deux. Ok. Ok, ok. Mon déguisement est complètement HS. J'ai un énorme bleu. Qui ne date pas d'aujourd'hui, je précise. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'aime bien le côté délire, j'aime bien le côté faire sourire les gens, j'aime bien tout ça, mais. Mais il y a un côté là, c'est trop pour moi. C'est pas assez safe en fait. C'est beaucoup trop désorganisé. J'ai déjà fait plein de rassos comme ça et c'était vachement plus organisé, ouais. Quoi. Bah, les premiers l'étaient mieux. Là, en fait, c'est que là, la mairie n'a pas donné son autorisation. Ouais, voilà. Donc on est obligé de respecter les règles. Toi, t'as une chaîne YouTube? Oui. C'est quoi ta chaîne YouTube? Paloma. Paloma. Avec un underscore. Et tu postes la même chose sur Instagram? Non, j'ai pas Insta. T'as pas Insta? Non, je suis pas très réseaux sociaux. Enfin, j'ai un compte, mais je poste rien, j'y fais rien en fait. Bon, bah en tout cas, au plaisir. Peut-être qu'on se verra, peut-être pas. Salut. T'as pas Instagram? T'es vraiment à la masse, ma pauvre fille. C'est pas trop tapu? Ça va, sauf sur les pavés. Mais ça va, il n'y en a pas trop eu. Par contre, je sais pas si tu le sens, mais tout à l'heure, t'as tendu tes jambes. T'es passé vachement chaud, vachement proche de ton pot. Ouais.
Ouais, ouais, quand j'ai les crampes, je fais ça, mais j'ai l'habitude. C'est ça d'avoir 1m10 de jambes. Ouais. Je suis un total inconnu qui est en S-Miller. Je sais pas ce que j'ai avec cette moto. En S-Miller qui m'emmène. Enfin, qui m'emmène. Oh, ça fait bizarre de dire ça. Qui va au Burger King. J'ai dit, je suis. Bilan de cette balade. Eh ben, je n'y retournerai pas. Parce que oui, il y a un côté qui est sympa. Je sais pas ce que tu m'as dit, excuse-moi. Je suis en train de parler. Tu m'as coupé dans mon élan. Je disais de la merde de toute façon. Comme d'habitude. Je n'y retournerai pas. Bon bah ce sera du Lyon by Night avec je ne sais plus ton prénom. Ah la classe, t'as la musique. System of a Down. Ah mais c'est bon ça. Je suis tombée sur une bonne personne, tu écoutes du métal. Ça n'a absolument aucun sens que je dise pas parce qu'on écoute du métal qu'on est une bonne personne. Ça se trouve t'es un gros connard. Non, tu n'es pas un connard. Ma maman m'a toujours dit de ne pas suivre les inconnus. Et ben c'est raté. C'était il y a quelques années en même temps. Je visite Lyon by Night avec un inconnu qui ne sait pas où il va. Si tu regardes ma vidéo, tu vas dire que je me fous de toi. Oui, oui, je me fous de toi. Tu me fais des signes, je ne comprends pas.